Dans ces boîtes bien rangées, les cours de première année de droit vont bientôt être archivés. Après une année quasi intégralement à distance, Sibylline s'apprête à regagner les bancs de la fac, non sans appréhension. Il y a pas mal de stress, d'organisation, c'est des choses un petit peu bêtes, mais c'est des choses qu'on n'a pas fait, on n'a pas les automatismes en fait pour cette année. Dernière vérification. Carte d'étudiant, carte de métro, et puis on est parti. Direction l'université. Comme elle, 8500 étudiants s'apprêtent à faire leur rentrée sur ce campus. Retrouver quelques visages familiers rencontrés lors des cours en visio pour se rassurer et tenter de ne pas se perdre dans les allées bondées. J'étais à tout casser trois fois à la fac, donc là on découvre les amphis. Par exemple, on ne sait pas où est l'amphi C, on va découvrir, donc voilà. Vous avez trouvé ? Ouais, là c'est bon, là c'est le C, et donc je pense que tout le monde attend là pour le cours. Ça fait bizarre un petit peu, mais ça fait plaisir, on va dire. Plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Un amphi rempli, presque comme avant. Ça fait du bien, la motivation revient, ça fait du bien de voir les profs en vrai. Je suis juste très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui, donc bienvenue à l'université. Et des retrouvailles particulièrement attendues par les enseignants. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu d'interaction hein, en distanciel, on a quand même réussi à créer de l'interaction de façon assez surprenante par le biais des chats et tout ça, mais ça ne remplace jamais évidemment les sourires, les rires et puis le... Les blagues qu'on peut faire en cours, enfin je veux dire, c'est pas du tout aussi formaté. Oui, c'est la vraie vie. Tous espèrent désormais pouvoir passer l'intégralité de l'année en présentiel. Une rentrée placée sous le signe de l'espoir, comme un retour progressif à la vie d'avant.